Je suis le chef Antangom, du chef de district Dakar Bamako Ferroviaire ici à Goudiri. Je vous remercie beaucoup. Pour commencer, d'abord, je remercie ma direction générale parce que tout ce qu'on parle, c'est de la direction générale. Donc, le train actuellement, pour commencer, je vais présenter d'abord Dakar Bamako Ferroviaire. Dakar Bamako Ferroviaire, il a été créé en mars 2016. Donc, il y a une entreprise privée qui est Transrail SA. Transrail SA a été advance à l'avenir. Maintenant, quand on regarde, on voit qu'il doit prendre le rail, prendre le chemin de fer entre Ngourou Sénégal et Ngourou Mali, nous avons créé Dakar Bamako Ferroviaire. Mais Dakar Bamako Ferroviaire a été un organe de gestion des chemins de fer entre le Sénégal et le Mali. Bon, Ngourou, quand on l'a créé une direction, c'est administré par un administrateur qui est Joseph Gabriel Samp. Joseph Gabriel Samp, quand il est venu, il a fait 2 ans. Il a été un administrateur général. Il a été un Kibiri Touré. Kibiri Touré, quand il est venu, il a fait des gens sur le chemin de fer. Mais pour répondre à ta question, le train, c'est vrai qu'il n'est pas venu. Il a un impact économique sur l'Askan. Parce que si Sakhar est venu, le marché l'a donné. Les gens ont été vendus. Ou Sakhar est aussi vendu. Donc, si on a arrêté, il va avoir un impact sur l'économie. C'est-à-dire qu'il va baisser le chiffre d'affaires des commerçants qui ont été vendus. Ou les commerçants qui ont été vendus sur Sakhar, il va avoir un galancor sur leur travail. Donc, le galancor, c'est vrai, c'est une réalité. Bon, maintenant, ce que je peux savoir, c'est Dakar Bamako Ferroviaire déwul entreprise bo xamné ba tay mu ngi fi géré par l'état té état bi mu ngi ci def ay djégo yu am solo and ak administrateur général di ci def ay djégo yu am solo yagul dara gis ngeen sax deg ngeen ci 31 décembre président Macky Sall wax né am nañ acquisition 6 locomotives sun administrateur général génna ci journal officiel Le Soleil. Donc, sous peu de temps, Inch'Allah Rabbi, ça va être une nouvelle réhabilitation entre Tambacounda et Kidira. Mais ce que je sais, c'est que si on parle, on va être plus fort. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, l'administrateur général, M. Kibiri Touré, quand il est venu, il a fait quelque chose. Il a fait une machine, il a fait une sakhar. Bon, c'est ça. Il a fait des machines qui sont ici. Les machines qui sont ici, c'est très bien. Les gars qui ont été faits après, ils ne sont pas en train de se faire. Mais dans le groupe, ils ont fait quelque chose d'abord. Ils ont fait quelque chose de problème. Par exemple, ils ont fait une coupure à Kosanar. Ils ont fait ça. Donc, aussi, ils ont commandé des trains pour que les trains puissent venir. Les gars qui ont commencé. Maintenant, ils ont fait un projet. Un projet, c'est de faire recycler le train entre Dakar et Bamako. C'est ça son projet le plus majeur. Il est venu avec Ngourou Sénégal, avec le ministère, pour travailler très bien pour l'affaire de sortie. Maintenant, quand est-ce qu'il est venu? Franchement, je ne peux pas le dire. Mais le projet, ce que tu sais aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas le faire. C'est qu'il y a des locomotives, annoncé en Afrique du Sud, je ne sais pas. Dans un projet, on va réhabiliter la voie entre Tambacounda et Kidira. Parce que dans un certain moment aussi, il y a des Sahari qui ont été très bien. Aussi, pour nous, il y a des Sahari qui ont été très bien. Il y a des zéro. Donc, il faut que nous devions faire réhabiliter entre Tambacounda et Kidira, les Sahari sont soufflés. Mais dans la déclaration de notre directeur, madame, en recueillant M. Kibiri Touré, bon, mungkin wakna ke begina di si Juli 2020 sehari neng Daud digen te Tambacounda ag Dakar, paske il est prévu un port sec à Tambacounda, madam un terminal à conteneur, terminal à conteneur bon, c'est pour désengorger non seulement le port autonome de Dakar, paske y a trop de conteneurs là-bas, et ensuite préserver nos infrastructures routières, nga xamanteni ni sunu talie affaire, paske auto yi daw ci talie bi dañu bari, donc lolu nonu le moyen motax ñu bëgg tek le terminal à conteneur de Tambacounda. Mais inchallah rabbi comme nous ko waxé d'ici juillet 2020 xéna ni sénégalais dañu gisat sahari soufflé entre Tambacounda et Dakar.